J'ai à côté de moi le président du RBF, c'est... C'est monsieur Rocky, bonsoir. Bon. Voilà, alors... C'est monsieur... le président. Alors, je démarre parce que bon, bah, je me suis fait faire un petit texte. Mettez le micro devant la bouche. Voilà, on y va. Monsieur Coluche, vous n'êtes pas sans connaître l'action du renouveau du BEG francophone chevalier de la libre expression orale. Oui. Monsieur le ministre, mec sans dos. On va peut-être vous laisser la clé. On y va. Oui. Monsieur le ministre. Mais mec sans dos, ouais. Non, mais si tu le pire, c'est un mec quand tu lui dis j'ai pas entendu. Alors le mec, il recommence. Il m'a mis dans une galère, là. Alors, je compte. J'y vais, là. Oui, vas-y, vas-y. Bon. C'est bon. Monsieur le ministre, mec sans dos, face à la nouvelle augmentation de la taxe téléphonique, passant, il faut le savoir, de 0,70 centimes la durée illimitée à 0,75 centimes les 20 minutes. Bon, et les ben, becs... attends, j'ai salauds. Pas fini. Attends, les becs trouvent cette démarche discriminatoire. Et c'est vrai, ils ont raison. Ma question est donc la suivante, monsieur Coluche, soutiendrez-vous le difficile combat des becs contre l'administration? Voilà. Oui, eh bien, merci. Je ferai ce que je peux pour être entendu. Mais évidemment, ces salauds de leur faire payer le téléphone aussi cher que les autres, c'est vraiment dégueulasse. Alors, nous